Alors, qu'est-ce que tu as fait à cette dame de ta mère? C'est ma grand-mère qui dit qu'elle l'a tuée. C'est ça que. Elle dit qu'elle ne peut pas la tuer parce qu'elle a eu des maladies. Donc, c'est ça qu'on a déjà tué. Et comment tu as fait? Il a pris son âme. Comment tu as pu prendre son âme? Elle dormait. C'est ça que je suis venu dans ses rêves. Et puis c'est ça que j'ai pris son âme. C'est transformé. C'est ça, je me suis transformé en chien. Voilà. Il dit qu'elle dormait et il s'est transformé en chien. Il est venu dans son rêve et il a pris son âme. Et il dit que quand il a pris son, il s'est transformé en chien, il a pris son âme, il l'a envoyé dans le monde de la sorcellerie et ils l'ont attaché sur un bois là-bas. Il l'a attaché sur le bois et puis c'est ça qu'on a déjà tué. Il dit qu'ils l'ont attaché sur le bois et ils l'ont tué. Quels sont ceux qui ont participé? Il y a lui, la fille, ma petite soeur et puis ma l'autre petite soeur encore. Qui a participé? Quels sont ceux qui ont participé? Mon grand frère puis ma petite sœur. Il dit son grand frère puis sa petite sœur. Ils ont participé comment? Comment ils ont participé? Vu que c'est toi qui as pris. Quand il envoie, c'est nous tous en amoureux. Il dit que quand il l'a envoyé, sa maman, c'est eux tous qui ont mangé. Sa maman. Qui l'a donné? C'est moi. Il dit c'est lui. Tu as mangé aussi? Tu as mangé aussi? Oui, va. Il dit oui. Tu as mangé? Oui, va. Quelle partie? Son intestin. On va dire Minecraft. Alors, la maman, ça va? Comment tu t'appelles? Non, tu te calmes. C'est ton fils qui est là juste à côté? Pas pour lui, il faut répondre aux questions. Il y a celui qui est juste à côté, les deux autres. Ça, c'est la fille, le fils à ma grande soeur. Et la fille, la petite? C'est la fille de l'une de mes camarades. Elle dit c'est la fille de l'une de ses camarades. Très bien. C'est avec ton accord que l'enfant est là pour les adultes? C'est toi qui as accepté que l'enfant soit ici. Elle dit oui, papa. Alors, c'est passé comment? Donne-nous ta relation. Et quand, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as? Quand dans le début, quand ça a commencé, c'était mon corps qui me grattait. Donc il a dit que c'est eux qui ont mis le piment dans ma pommade. Après mon ventre, quand ils mangent là, j'ai problème de digestion. C'est comme ça que ça a commencé jusqu'à celui-là. Donc ces derniers temps-là, je suis allée voir parce que moi je ne suis pas ici avec eux. Quand je suis arrivée dans mon lieu de commerce, mes pieds là, ils pouvaient marcher, j'étais assis à terre dans la maison. À partir de dos jusqu'à. Je n'ai pas mangé. C'est comme si ma poitrine, comme si quelque chose était déjà pourri. Il y avait des ampoules même qui sortaient sur mes seins déjà. Je ne pouvais pas boire l'eau, je ne pouvais pas manger. Il y avait un peu moi, je ne pouvais pas. Je ne mangeais pas dans la maison. Donc quand j'ai pu prier, j'ai eu la force, j'ai dit il est sorti. Quand je suis sortie, je suis arrivée à Guiglo. J'étais à l'hôpital, c'est là. Lui-même m'a appelé pour dire qu'il était quitté l'hôpital parce que la maladie qui est sur moi là, c'est pas l'hôpital et c'est eux. C'est comme ça que j'ai fait appel à ma grande soeur. Comme je ne pouvais pas marcher, donc elle est venue chercher à Guiglo, on est venu à Bujan. Donc comme je suis arrivée à Bujan, c'est là nos pères spirituels nous ont dit qu'il y a un prophète qui est à Divo. Donc à ce moment, j'étais faible, je ne pouvais pas marcher, donc j'ai dit à ma grande soeur de venir avec eux. C'est comme ça qu'elle est venue, et puis elle m'a fait appel, et puis je suis arrivée.
Ok. Yako, alors qu'est-ce que tu ressens? Tu dis tu as l'impression que l'intérieur de toi ne marche. Voilà. Parce que quand ça a commencé, je peux dire, c'est comme si moi-même, je sentais déjà que je n'étais plus en moi-même. Moi-même, j'ai su que quand je venais à Abidjan, même, je n'étais plus en moi-même. Mais aujourd'hui, là, je sens que ça va un peu. Amen. Tu peux lever les mains, je prie pour toi déjà. Et comme la distance n'est pas une barrière, ma prière te localise de tout divin. Et surtout, je chasse cet esprit de mort, je libère ton âme maintenant. Je commande au pouvoir de la sorcellerie de te libérer. Je libère ton âme maintenant. Je libère ton âme maintenant. Ma prière te localise et que les chaînes de la mort soient brisées maintenant. Je proclame ta guérison. L'Esprit te guérit maintenant. L'Esprit de Dieu te guérit maintenant. Jésus te libère. Reçois cette restauration. Ton corps expérimente la guérison. De ta gorge, tout ton intérieur te proclame guéri. Je proclame la puissance de la délivrance dans ta vie. Tu reçois cette délivrance maintenant. Je te déclare libéré. La mort est chassée à jamais. Cette mort programmée de ton âme est restituée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen.